Good afternoon, everybody. Mabdino, tout bonsoir. I'm going to ask you guys to please mute yourself during the presentation and unmute when you have questions. If you want to talk, you can unmute, but keep the option, keep yourself mute for the entire presentation, please. And at the end of the presentation, you can ask questions, sure, but write something in the chat box anytime you have a question. Kounia la m'a changé en créole. Après-midi à la, c'est avec un pile plaisir m'a présenté nous docteur Ludovic Como Junior. M'a dit docteur Como, merci en pile. Est-ce qu'il a accepté l'invitation venir causer avec nous après-midi sous Moïse Sixto, sous le Just Moïse Sixto. Petite présentation lien, c'est sous ces conditions femmes. Le sujet à ces conditions femmes dans l'audience Moïse Sixto. Donc, je vais présenter nous rapidement, docteur Como. Mais femme, dis-nous, avant de commencer, docteur Como, fait partie d'une catégorie de personnalité qu'on a présenté difficilement, qui n'est pas facile pour présenter le docteur Como parce que c'est une personnalité qui accomplit tellement tellement bagaille, qui fait tellement pile bagaille que il y a pile bagaille pour dire dans le temps que nous avons. Donc, m'a fait un pile effort pour moi si je n'étais pas québécois dans trop longtemps, mais en même temps, c'est un devoir pour me présenter le docteur Como comme ça doit. Docteur Como, c'est un professeur associé, un associate professor à l'Université DePaul. Ça veut dire, docteur Como, bientôt là, il parle full professeur. Donc, ça veut dire, nous comprendre que docteur Como, son personnalité qui n'a presque n'a fait carrière, donc ça veut dire son personnalité qui a accompli un paquet d'activités professionnelles, un paquet de bagages déjà. Et donc, m'a choisi pour nous ça qui est essentiel, ça qui m'a fait un résumé, m'a présenté ça, et sa réalisation principale. Docteur Como, il s'est fait Haïti, il est levé Haïti, il était étudié business avec droit à l'Université d'État haïtien. Après études premier cycle, il était recevoir une bourse Fulbright dans l'année 1991, pour la continuer à étudier dans l'université à l'étranger aux États-Unis. Donc, il fait un MBA avec un doctorat dans le domaine économie. MBA, c'est dans le domaine finance. Doctorat, c'est dans le domaine économie, qui est dans l'université Illinois, dans Chicago. Le docteur Como, de Haïti, il était con enseigner littérature française dans un petit séminaire au Collège Saint-Martial. Et c'est là qu'il a fait études primaires et secondaires en Haïti. Donc, c'est l'amour ça pour le domaine littérature qui te poussait à faire une maîtrise dans la littérature française dans l'Université de Chicago. Donc, et c'est même l'amour ça pour la littérature qui fait Dr. Como intéressé dans le travail Moïse Sixto, qui c'est on travaille dans le domaine littérature tout. Littérature orale, mais c'est littérature. Donc, et en réalité, il y a une raison que fait penser à inviter Dr. Como, une présenter sur Moïse Sixto aujourd'hui. Hein. C'est un docteur Como qui a imité Moïse Sixto dans New York, dans Brooklyn College. Il y a ça gagne un an et demi ou 2 ans. J'étais tellement saisi, j'aime pas des monde à imiter Sixto comme ça. J'étais pensé que c'est Sixto même lui-même qui était devant, qui t'a bâillé l'histoire. Donc, je dis, oh, nèg ça, il connaît Sixto bien. Donc, je t'ai invité à me faire quoi moi-même? Et comme moi-même, moi, j'utilisais Tech Sixto avec étudiants, j'ai dit que, ah, professeur Ludovic, c'est un bon choix pour venir parler avec étudiants sur Sixto. Bon, en plus de toute activité, docteur Como, dans le domaine professionnel, comme professeur, comme mon café recherche en économie, etc., parmi d'autres activités professionnelles, docteur Como, c'est un membre fondateur GRAN. Qui c'est une association internationale qui a branché dans plusieurs pays, particulièrement Haïti, Canada, États-Unis,
et puis cap penser pour Haïti. Et Dr. Comeau, il est membre fondateur et il est vice-président branche qui est aux États-Unis. Travaille après ça, il travaille dans notre domaine, il travaille comme consultant pour Banque nationale République d'Haïti, Banque centrale République d'Haïti. Il travaille sous non pile l'autre bagage. Donc je me dis nous on pile bagage sous docteur Comeau. Donc je préférais passer le connant si gain bagage que me pas dit ou bien bagage moi pas mentionné là ajouter. Donc docteur Comeau, je me dis nous déjà il va parler avec nous sous condition femme. Si j'ai présentation là c'est condition femme dans l'audience Moïse Sixto. Donc m'a passé connant par docteur Ludovic Comeau. Et puis là, pour le cas, nous plus d'informations. Merci. Merci un pile, collègue Frenant. Alors, l'aime te voye, ti biographie en bas haut, ton ti genre, gon ti lan dengna, mwen m'di m'bal gade kou mwen m'si abdeme lele. Donc, mwen bien dégagé. Oh. Et alors, bonsoir tout le monde, bonsoir tout étudiant qui là, ou bien participant, nan et instituya, ou été ça. Alors, je ne connais pas si yo déjà exposé à Maurice Sixto. Est-ce que c'est la première fois qu'il entendait parler de Maurice Sixto ou bien est-ce que yo ont une idée plus ou moins de Maurice Sixto? Est-ce que parce que des fois, je fais un petit camp sous présentation pour me demander est-ce que ça va, est-ce que question, parce que créole, c'est pas langue mieux, hein? Pour m'assurer que je ne suis pas perdu à un certain moment, que je suis capable de suivre. Donc, il est intéressant pour me connaître rapidement, est-ce que c'est pour me demander n'importe qui dit ça ou bien c'est au même maître Fouenant qui a Oh suivi ça? non, là, l'île ouvrie, il n'y a pas oublié le professeur Nicolas André, qui lui-même est responsable du programme. Non. Donc, il y a plus d'étudiants passés. Le professeur Nicolas André, il y a 7 étudiants, moi-même, c'est 2 m'gain. Donc, je ne peux pas parler seulement pour 2 étudiants parmi eux, je connais que je connais Moxisto déjà, je travaille sur l'audience Moxisto, sur les Yakokoye. Mais par contre, je m'a quitté le professeur Nicolas André, dit-nous, lui-même, il qui expérience pas avec Moxisto dans la classe Palio. Bon, comme nous connaissons, moi-même, classe débutante, d'avancer, yo pas tellement connaissons Maurice Sixto. Il était bon si Dr. Komota voulait faire une présentation Maurice avant quoi que ce soit. OK. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ma petite présentation. Hein, et, je suppose que tout le monde a regardé l'écran. Hein? Tout le monde a regardé l'écran. Et, si nous faisons ça, excellent. Oh, non, c'est bon, c'est bon. C'est pas excellent. C'est bon. Merci. Donc, petite présentation, c'est Rôle la femme dans œuvre Maurice A. Sixto. Alors, rôle la femme, c'est-à-dire qui place la femme, hein, mais surtout qui importance. Question de rôle là, c'est question de importance la femme dans œuvre Maurice Sixto. Et ça me t'a capable commencer dit, c'est que, bon, nous connaissons, alors à la fin présentation, peut-être avant dernier slide là, moi mettez mon côté que nous avons fait quelques petites réflexions, prendre si bien temps. Même t'as capable rapidement commencer dit dans l'idée réflexion ça historiquement dans histoire société humaine à travers la terre ah ouais, sur toute la terre hein, question de rôle la femme importance la femme c'est une question que il y a un peu d'études qui fait sur ça en termes de poids femme dans société. Mais paradoxal, c'est qu'en même temps que femme gagne poids ça dans nos sociétés, et moi-même comme économiste, je dois dire que l'économie, à partir de après la Seconde Guerre mondiale, pas vrai? Le coup de femme commence à entrer sous le marché du travail. Hein? Parce que longtemps, c'est plus garçon que qu'on a travaillé. Et que fille était la caille à occuper petit monde, à occuper caille, faire manger pour les maris venir, pour mari manger. Mais après la Seconde Guerre mondiale, mesdames, ils ont commencé à entrer sous le marché de l'emploi, sous le marché du travail, là, et ça fait un gros effet positif pour l'économie. Hein. Mais cependant, malgré l'importance de ça, nous voyons que les filles
subi un paquet de discrimination par rapport à garçon. Juste journée aujourd'hui, nous avons une fille qui a touché moins l'argent que garçon pour le même travail qu'il a fait. C'est-à-dire que, alors même nous avons dit, nous, même son question comme très sensible, alors pour me balancer la carrière personnelle, parce que nous avons 5 petites filles, nous avons un garçon. Donc, nous avons un gros défenseur filles, puisque nous avons 5 petites filles, donc, juste journée aujourd'hui, nous avons une fille qui a touché moins. Eh bien, pour nous venir dans Sixto, avec la situation Haïti, eh bien, la femme en Haïti encore plus important que dans l'autre pays, m'ta capable de dire. Parce que l'étude faite où est femme haïtienne, pratiquement c'est lui-même qui épine dorsale. Ça en anglais, on est backbone. Hein? C'est épine dorsale l'économie haïtienne. Non? Mais c'est potomite en femme et tout. Parce qu'en pile fois, nous joignons papa, nous tijons, nous prenons, nous tijons marqué sous devoir. Même j'en ai payé ici aux États-Unis, où tu as des affaires de absent father, on va un paquet single mother, et vous continuez à occuper des petits mounios, et bien ça en Haïti tout. Donc, Maurice Sixto, qui, alors on va continuer là, m'entrer dans la question de la femme de Maurice Sixto, peut-être bon, ben, on a image de Maurice Sixto, et là, m'jambé dans l'autre slide, côté précisément, ça te vient dans la tête, pour me dire, on a présentation de Maurice Sixto. Eh bien, Maurice Sixto, c'est un Haïtien qui était vivant dans le siècle passé, dans le 20e siècle, pas vrai? Il était fait en 1919, il est mort en 1984. Et Maurice était fait dans la ville principale, il n'est pas fait dans la capitale, là, Port-au-Prince, côté toute bagaille, on tente de se concentrer en Haïti. Il y a un peu naïf, il était là. Et malgré que c'est un pays pauvre, Maurice n'est pas fait dans la pauvreté. Parce que papa Maurice, c'était un ingénieur, pas vrai? Et en fait, dans la ville côté le fait là, le fait non ville, il est Gonaïve. Et c'est là l'indépendance d'Haïti est déclarée 1er janvier 1804, si nous avons une idée de l'histoire d'Haïti. Et c'est dans Gonaïve qu'il était fait, et ça que le Gonaïve, la ville de l'indépendance. Et bien, c'est là Maurice qui s'est fait. Et papa Maurice, non seulement ton ingénieur, mais il était. Dans le pays d'Haïti, chaque gros service de l'État a un représentant dans la principale région pays. Eh bien, papa Maurice, c'était ingénieur départemental. Ça signifie dans le département géographique côté Gonaïvié, que j'aurais la Tibonite. Eh bien, papa Maurice, c'était principal ingénieur de l'État qui était responsable, supervisé, fait travail, travaux publics ont avancé. Donc, c'est un personnage important. C'est un monde qui a un bon salaire, donc c'est pas malheureux. Et Maurice Sixto, c'est un petit monde qui est élevé en bien, l'élevé, on prend main, une façon qui est très aisée. Ah, oui? Donc, en fait, monsieur, rapidement, il a quitté l'Elvingen, il y a peut-être Vezon 8-9 ans, parents li fait l'entrée Port-au-Prince et on mettait en pension la caille yon, enfin, puis gros l'école catholique qui gagne dans le pays. Hein. L'école de l'école Saint-Louis, Saint-Louis, ah ouais? Et là, monsieur, non seulement c'était l'école là, hein, c'est l'école d'élite, hein? Et monsieur était en pension tout, là, monsieur fait 11 ans là, ah ouais? Alors, c'est là que Kounia là, monsieur Vignéen, premier contact li avec bourgeoisie dans Port-au-Prince. Ah oui? Avec petit Greneg dans Port-au-Prince, parce que Saint-Louis, c'était youn dans l'école, côté ayant droit, Greneg, te mette petit yo. Donc, Maurice Sixto vini, Timon, 9-10 ans, hein, nek qui sont en province, bon, quoique. Dans toute grosse ville provinciale, tu as un grand nègre par yo, tu as les bourgeois, hein, vous connaissez, tu as un bourgeois par yo, eh bien, la famille Sixto, c'est une famille bourgeois, dans Gonaïve. Mais cependant, c'est Haïti, son côté, question sociale, yo, très difficile, il n'y a pas qu'être complexe, il n'y a pas qu'être préjugé, comprenez? Donc, mais quand même, le Sixto arrivé, non, Saint-Louis, Port-au-Prince,
Monsieur son ti moun ki te ti bourgeois la kayli, mais quand même monsieur c'est bourgeois province. Bourgeois en dehors par rapport à ti bourgeois Port-au-Prince, petit grenèg Port-au-Prince. Donc là qu'on y a là monsieur bon dans des déclarations privées que le fait parce que Moïse Sixto devine aveugle, monsieur mouri aveugle et ça très intéressant, monsieur fait toutes œuvres li fait, il fait à l'oral, c'est dit le dire, même monsieur pas jamais gain note. Monsieur Odou li gon mémoire explité gagné yon mémoire extraordinaire parce que li pa wè, comprendre? Donc monsieur allé, monsieur gain deux pièces, il gain une pièce, yon nous pas wè ça, qui c'est Léa Kokoye qui duré on a fait de une heure de temps et ben monsieur Chita devant micro li l'a dit Léa Kokoye pa gon note tout bagaille dans tête et puis l'entendé le bagaille a bien dit, bien structuré. Son bagage extraordinaire. C'est un élément génie, Moïse Sixto. Donc là, qu'on y a là, monsieur fait expérience Saint-Louis, hein, c'est la première expérience bourgeoisie. Li. Pas qu'on qui j'ai expérience Saint-Louis pour lui, mais l'orga des œuvres Moïse Sixto, ou tendez monsieur qui a parlé de bourgeoisie, ou est monsieur Patrimé, classe bourgeoise, Port-au-Prince. En fait, dans toutes œuvres Sixto, ou est classe que le Rémé dans le pays d'Haïti. Groupe moun que le remè, c'est moun peuple la yo. Ah ouais? Donc, monsieur, là, il fait expérience dans Saint-Louis, et Lévin, kounya la, il était vin professeur l'école tout, a fait Koun High School, et puis rapidement, monsieur vin parti, alors, na deuxième bullet point, la mien la, mette, l'ité vive en Haïti, en Afrique, et puis aux États-Unis. Parce que dans début année 1960, yo, monsieur vina aller en Afrique comme professeur, il fait près de 10 ans en Afrique comme professeur, 8-9 ans comme professeur. Et puis après ça, monsieur te gen, commencé à gen problème Dieu. Depuis en Haïti, il te gen problème Dieu. On prend ni pas de jeune bon traitement. Li aller en Afrique, li capable faire coup mes yeux, vision ni a baissé. Gon le crivé, monsieur te quitte Haïti en 1962. En 1969, li vin pas ka faire coup encore parce que Dieu a pas bon même. Donc c'est comme ça qu'il quitte l'Afrique. L'aller aux États-Unis, il vient table, il dans la ville Philadelphia, et c'est Philadelphia que le mouille en 1984. Maintenant, bon, m'ba nous plusieurs petits détails là, qui ont rapport avec le troisième bullet point là. Maurice, c'était un artiste qui chargeait avec génie. Monsieur, c'est un extraordinaire dans le talent. Monsieur, c'est plus gros l'audience, Haïti, jamais rien. Dans l'histoire, li, pour qu'il y ait personne, monsieur. Monsieur mourit en 1984, ça signifie que monsieur a plus que 30 ans mourit, 36 ans mourit. Il y a un monde qui fait, même quand il travaille avec elle, mais pas de personne qui arrive, même dans le pied. Moïse Sixto, tellement monsieur était bon. En fait, moi-même, moi, dit, m'écris déjà, m'écris de Moïse Sixto. Moïse Sixto, son problème n'est pour tout le monde qui voulait entrer dans l'affaire compte. Alors, c'est ça, il y a en anglais storytelling. Monsieur, c'est un gros storyteller. Alors, en créole, nous relèvons ça l'audience. Parce que l'audience, living de français, l'audience, et nous avons ça en anglais, audience. Okay? Donc, monsieur, son audience, c'est-à-dire que monsieur a entertain, monsieur a fait une audience content. Donc, ils sont l'audience. Vous comprenez? Okay? Donc, là, maintenant, monsieur, son problème n'y est, il y a plusieurs nègres, ouais, moi-même, bon, peut-être, mais intelligent, même pas à laisser faire compte par moi, mais répéter par Sixto, m'imiter Sixto. Et il dit, me fait ça bien. Parce que depuis qu'on y a là, ça fait pas ou à le faire, dans le même style à Maurice, là, tout le monde dit, ah, j'ai fait mon petit temps. Parce que Maurice était plus bon, Maurice était plus bon. Et juste journée, je dis là, même des jeunes qui portent qu'au fait, les Maurice mourir, c'est fanatique Maurice, yo. Maintenant, monsieur, alors, il y aurait les monsieur, c'est Prince Orality. Prince Orality, c'est-à-dire que nous connaissons une littérature, hein? Donc, belles, avec Plumio, ou bien Soukibodio, eh bien, Orality, hein, c'est belles œuvres qui faites dans la parole. Hein? Donc, monsieur, son Prince Orality, pays d'Haïti. Okay? Et en plus de ça, alors, ça, c'est dernier. Dernier bullet point là, comme il y a là.
li te yon l'esprit perceptif, li te gen pile perception, et puis yon l'esprit profond. Je te gen capacité pour l'entran de question yo. Le la bon description, la explique un bagay, ou est monsieur entre li nan mitan li yo. Comprenn? Monsieur entre nan fondation toute question, c'est ton intelligence, comprenn? Un cerveau extraordinaire que te gen. Et donc mettez l'été on l'esprit perceptif et profond qui t'est rentré nan veut dire en dernier notre dernier profonde notre dernier fondation monsieur t'entré nan garçon et femme pays d'Haïti. C'était yon l'esprit qui te comprend fondal natal. Fondal natal, ça veut dire fondation profond. OK? Donc, il te comprend fondal natal tempérament, mentalité, kilti ak sensibilité peuple haïtien. Donc, en gros, c'est ça, Moïse Xpoteye. C'est gros coquin, gren chen, garçon, ça a m'pote ba nou jodi a la. Alors là maintenant, toujours pour présenter Sixto, mais qu'est-ce que nos œuvres Sixto yo? Monsieur font paquet, on prend même, monsieur fait de grosses œuvres qui t'en coûtent des pièces de théâtre, on prend qui organisent t'en coûtent des pièces, hein? Et c'est ça que fait monsieur, les œuvres monsieur bon valeur esthétique extraordinaire. Hein? Donc, moi, mes principal yo là, c'est que monsieur. Premier bagaille met dehors, première pièce que met dehors, premier œuvre li met dehors. Et puis automatiquement qui balon popularité dans toute civilisation haïtienne. Alors l'aime dit civilisation haïtienne, ça dit non seulement Haïti, haïtien qui vivent en Haïti, mais haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, dans pays étranger, dans diaspora. Et en fait, yo le Sixto jambé aux États-Unis, le saut en Afrique. Monsieur, c'était, je sais, monsieur était candidat, et une élection, monsieur était candidat, Sixto t'a président d'Haïti, c'est-à-dire que Sixto t'a fait 80% dans l'élection ça. Tellement, monsieur, son homme, monsieur était remis. Yodou, aux États-Unis, c'est bataille différentes communautés haïtiennes aux États-Unis, il y a bataille pour Sixto, Vinouéo. Philadelphie, Miami, New York, il était venu Chicago deux fois. Alors, je ne sais pas si Chicago est ça, mais les gens qui ont dit, il y a plein de monde qui a regardé Sixto, qui a attendu Sixto qui a parlé. Ah ouais. Donc, monsieur, première pièce sur l'Ibaï, c'est Léa Kokoye. L'Elba et Bagalsa, l'écraser pays d'Haïti. Parce que c'est un bagage extraordinaire. Côté monsieur touché, une équipe question dans les affaires pays d'Haïti. Et puis, pendant qu'on y a la bonne vérité, là, il faut réfléchir. Là, il faut garder question sous différents aspects. Et puis, là, il faut rire. Parce que Moïse Sixto est comique en pile. Même le Labdoubaï qui est plus sérieux, là, il faut rire. Et ce n'est pas facile pour faire mon rire. Vous avez un comédien qui fait mon rire, vous comprenez ce conseil, il faut faire mon rire dans ce cas. Faire mon rire, ce n'est jamais un bagage qui est facile. Donc, M. dit, Léa Kokoye, l'idée ti Saint-Anise, d'épaisse, gros mosso. Alors ça, troisième dans la contingente, cinquième dans la contingente longue, c'est français. C'est en français, monsieur, il n'est pas dit en français, non, mais titre est en français. La petite veste de galerie de papa. Alors peut-être rapidement, Fomta a dit, parce que si je dis non seulement, ça ne va pas aider rien, parce que Pitam pral citer des exemples dans plusieurs dans pièces à yo. Peut-être Fomta a dit nous rapidement, qui ça, yo chakye. Pas vrai? Premier, Léa Kokoye, c'est l'histoire, on haïtienne, a fait le pas de bon, mais qui a un diplôme, professeur, l'école primaire, professeur, grade school. Mais cependant, li pa kapab jwenn travail nan peyi. On peyi gon paquet moun ki pa konn li. Mon moun ki gon formation, gon diplôme, teacher nan meni, et bien li pa ka jwenn travail. OK? Donc ça c'est histoire Léa Kokoye ça. Et puis kounya et formation la fè pou jwenn travail.
Je ne vais pas rester trop longtemps sur le chat. Deuxièmement, c'est Tissaint-Anise. Tissaint-Anise, c'est l'histoire d'un petit monde qui était resté la caille en famille. Une famille qui était un petit moyen économique. Est-ce que nous comptons de parler de rester avec? Nous avons dit, mon ça déjà, rester avec? Eh bien, Tissaint-Anise, c'est ton rester avec. OK, there we go. Tissaint-Anise, c'est ton rester avec, mais ce n'est pas n'importe qui reste avec, non. C'est ton reste avec côté madame nan nan Kaila, maîtresse Kaila, a maltraité malheureusement. Sans raison, l'a maltraité, mais vraiment abusé Tifia. Donc ça, c'est histoire. C'est une histoire qui est très poignante, parce que si tu pas ou bien, si tu pas veillé corps, vers un la fin comme ça, monsieur Gon, je le finis, Tissaint-Anise, si tu pas qu'un béco, monsieur Gon, il faut crier, Tissaint-Anise. Pour le faire sentir misère, douleur. Humiliation, il y a fait Tissaint-Anise. Troisièmement, dépense, c'est l'histoire d'un musicien haïtien, un gros musicien haïtien, monsieur parti là en Europe, comprenez? Monsieur le arrive en Europe, il est son musicien de talent, monsieur joue dans un paquet de gros orchestres philharmoniques en Europe, et puis après 30 ans de tournée en Haïti, même monsieur blié que c'est haïtien, monsieur tourne tant qu'un européen. Et puis, il vient parler français, il vient parler créole à Mounio, mais c'est un coup son français, la ville Paris, qu'il a parlé à Mounio. Et puis, il dit, monsieur, je vois un problème pour ça, parce que les Haïtiens ne parlent même, ils viennent parler français comme ça. Okay? Donc, ça, c'est l'histoire des pèses. Maintenant, gros mosso, c'est l'histoire d'un homme qui était gros nègre, qui, dans la principale place publique Port-au-Prince, qui est le champ de masse, monsieur Campé, là, manque un petit gendarme des gars. Alors, petit gendarme, non, son police officer. Comprenez? Monsieur a manqué, mesdames et des gars. Et puis, coup de là, histoire, c'est comment ça passait. Parce que finalement, gendarme, non, mettez, mais l'arrêté, Moïse, pas Moïse, l'arrêté, gros mosso, les mains n'en allaient. Alors, tout le monde comprend que gros mosso prend le calé, prend le bac, petit gendarme, non. Et puis, gros mosso met le col tout doucement, marché, là, la police a dit gendarme. So, c'est un bail extrêmement comique, tout. C'est un bail comique, six stories. La petite veste de galerie de papa, c'est l'histoire d'un avocat, un grand avocat Port-au-Prince qui était dans le Bois Vena, un upscale neighborhood, un grand quartier dans Port-au-Prince. Pas vrai? Eh bien, monsieur l'a parlé pendant la calée, l'a parlé vaudou mal, et puis finalement, il a découvert que monsieur était pratiquement mon top vaudou en bas la calée. Donc, pendant, la propose à parler vaudou mal, et puis monsieur, c'est gros vaudou, ils en lient. Comprenez? Mais on l'autre langue, c'est histoire et diaspora haïtienne. Côté, on parle avec un pile haïtien, par exemple, qui vivent à New York, en Floride, etc. Ils ont parlé créole, ils ont pas trop éduqué, c'est un pile là, ils ont pas trop éduqué. Ils ont parlé créole, mais ils ont mis un paquet de mots anglais là-dedans. Donc, ils ont mis les créoles avec anglais. Donc, c'est ça, monsieur, tu as montré le relais, mais yon l'autre langue. OK? J'évangélise la race, c'est seule pièce que Sixto fait entièrement en français. Parce que Sixto, c'est un grand défenseur de la langue créole là, mais Sixto, c'était yon artisan extraordinaire de langue française. Sixto, tu es possédé français, tu es maîtrisé français, tu parles français extrêmement bien. Monsieur te gen don langue, monsieur te gen don la parole, le parle autant de bien ça le dit. C'est-à-dire, si tu te parles anglais bien, parles espagnol, en fait, le te fin l'école, jeune petit garçon, il te travaille comme guide touristique. Hein? Parce que à cette époque, alors on a parlé des années 50, les années 40, années 50, Haïti, c'était première destination touristique dans les Caraïbes là. Patco gen Bahamas, tout le monde a été derrière Haïti, Saint-Domingue, Cuba, tout le monde a été derrière Haïti, Haïti c'était number one dans le tourisme dans le Caraïbe. Et le ça a été une grosse activité, touriste a débarqué, quoi, le bateau croisé a débarqué, Port-au-Prince, au Cap, etc. Le ça a fait comme dans le pays. Mais c'est ton autre temps. Donc, j'évangélise la race là. Monsieur, c'est l'histoire ou ambassadeur que l'a raconté, pas vrai? Ambassadeur d'Haïti dans la France, à Paris, pas vrai?
Et puis, il a raconté ambassadeur qui parle un paquet de français avec une petite française que l'on rencontrait dans le lieu public, une petite blonde. Il parlait contre français, belle français, artifiant, de façon à ce qu'elle fasse venir dans l'ambassade là pour le capable et font affaire avec elle, pour le capable font tirer un main avec Tifia. Alors, Sixto, en bon français, l'a expliqué au bagage, ça fait tout, parce que ça l'a toujours fait. Ensuite, alors qu'on y a là, j'ai mangé la race là, ça signifie que le bagage comme d'ado, il prend revanche pour la race noire. Parce que là, il réussit pour un petit blonde française, il mène dans l'ambassade là. Et puis, quand il y a la remède avec lui, il dit que c'est vengeance qu'il prend pour la race noire, que les ancêtres, non, noir pays d'Haïti, que les Français est martyrisé dans l'esclavage. Alors, Sixto, qui a expliqué, même monsieur qui a fait une bonne théorie, une bonne parler français, mais c'est simplement pour être capable d'entrer dans la fête de fornication avec Tifia, pas rien que sérieux. Donc, toujours au moral comme ça, même là, la forie, gon moral côté d'entraîner les mettre question en place. Maintenant Zabel Bok Béachat, c'est histoire un autre avocat qui a parlé gros français, qui parle de travail, qui range col pour madame ni avec maman madame ni occupé li et puis Sixto montre comment on ma tante madame nan se belle-mère li a résoudre question en pour yo. Madame Jules, son autre histoire, on l'autre femme fort. Parce que, alors là, qu'on y a là, on a pas entré dans l'équipe de, comme d'ado, ma tante, Madame Isabelle Bock, Madame Jules, ce sont de gros femmes, gros caractères. On prend une équipe de femmes fortes, comme on dit quelque part là. Donc, Madame Jules, c'est une dame qui remet avec un nègre. En fait, son fils dans 50 ans, il paraît remet avec. Son fils dans peut-être début 50 ans. Marie, il a 10-15 ans en plus, donc déjà dans 60 ans, et puis il y a Marie qui a filé un petit nièce. Hein? Et puis, il a parlé avec Negla, on l'a de façon très comique tout. Madame Saint-Ville, son autre maman, ça a lui-même son maman qui, ça a été permissive, et si tu expliques comment maman est permissive, Bosch Chaléran, c'est une pièce extraordinaire, Moïse Sixto. Côté Sixto, vraiment, c'est presque son manifeste politique, Bosch Chaléran. Bagay Sixto dit dans Bosch Chaléran. C'est-à-dire que c'est pas une pièce qui est trop populaire parce que c'est pas, il n'y a pas tellement fait mon riz la dani, son équipe Vérité Pays d'Haïti l'a dit. Mais il y a deux, trois articles que je lis, études mon fait de Bosch Chaléran. Bosch Chaléran, son bagay extraordinaire que a fait de penser Maurice Sixto. Ton Charles, ça son l'autre nègre qui dégaine Madame Ni. Alors Madame Ni fait affaire avec un paquet de gros autorités Port-au-Prince pour le capable de faire petit copli. Bon, Chaléran lui-même, bon, l'accepter ça pour le capable de vivre bien. L'autre Tama compère, c'est un petit histoire, un bon vivant. Hein? Un bon vivant, on est capable de prendre plaisir, qui remet Wombabankou. Nous connaissons Wombabankou? Nous pas contre Babankou. Comment? Hein? Nous pas contre Haïti. Yes. Donc, je vais raconter l'Octama qu'on l'on fait en dehors, dans la province, et puis rencontre une petite jeune fille, et puis monsieur a filé les petites jeunes filles pour que les jeunes filles viennent dormir avec lui à souhait. On l'autre bagaille comique tout, pour essayer de se faire monde là-dedans. Tante Mézi, alors Tante Mézi lui-même, il y a plusieurs côtés Tante Mézi paraît. Et qui était une espèce, qui était un caractère que son monde qui existait, ah ouais, que Sixto te connaît, et Sixto te remet bon sens. Ce n'est pas un monde qui a une bonne éducation, hein, qui était hardly educated, donc on dit, mais qui était intelligent et qui était un paquet de bon sens. Et Sixto te remet parler de bon sens tant que mes. Et puis en bas net, moi, mettez à qui on bande l'autre pièce côte. Si monsieur un paquet de bagages que vous faites, ça y est, nous là, c'est ça qui est important. OK? Comment tout le monde est bon? Ça va? Good. OK. Maintenant, pour nous parler de rôle femme ou la femme dans les œuvres Maurice Sixto, moi, je dis là que monsieur fait une peinture
hein, ou peinture, vous connaissez peinture, hein, peinture, ça a son peinture là, ah ouais. Donc, monsieur font peinture, qui est une peinture qui est complète, hein, il n'y a pas manqué rien dans la description de la femme qu'il fait, et peinture, il y a trois niveaux là-dedans. Ils font peinture qui est directe, et puis qui est détaillée là-dedans, une peinture qui est détaillée, ah ouais. Il montre tout aspect cette femme que l'a décrit. Deuxièmement, li font peinture qui légèrement esquissé, ça signifie que li pas bon tout détail caractère mon non, mais li bon quelques coups de pinceau, comprendre? Et puis avec deux trois coups de pinceau, li font un personnage. Li pas bon détail, même si tellement c'est un grand artiste la description, la décrit mon koué de qui ça la parle. Et puis finalement, il y a un troisième niveau description, troisième niveau peinture que le fait pour femme dans Zevli, et bien son peinture côté, bon, il n'est pas même présent au monde directement, pas vrai, mais il est présenté, il parle de monde. Pendant la perspective du bagage, il parle de mon nom là, mais il n'a pas jamais fait mon nom, il n'a pas jamais fini. C'est comme dans le dollar, ça qu'on arrive dans mon vie, par exemple, dans le cinéma. Par exemple, il y a parlé de mon dans le film qui a une importance. Dans le film, je n'ai pas jamais fait mon nom, je n'ai pas jamais fait mon nom. Ça va faire souvent, mais ça arrive. Et puis, il y a un mystère dans ça, il parle de mon nom. Il y a deux, trois cas comme ça, que le palais de mon nom, mais le pas mettre sous scène. Donc, c'est peinture, pour moi-même, il fait la trois niveaux. Après, trois niveaux. Une peinture directe et puis détaillée. Une peinture qui légèrement, slightly esquissée, qui n'a pas bien pile détail. Et puis, une peinture qui fait des dos caractère. OK? Maintenant, toujours pour nous parler de rôle femme dans les œuvres de Maurice Sixto, m'a dit que. Je fais une typologie, hein? Une typologie de variété femmes qui gagnent la caille Sixto, qui gagnent la zèvre Sixto. Ok? Moi, dénombré six catégories filles, en gros, dans la Sixto. Ou gagnent caractère que aurait les mamans. Hein? Maman, il y a plusieurs mamans. Dans œuvre Maurice Sixto. Et souvent, maman, ça y est, c'est des matriarches. Ça signifie, c'est chef famille. C'est eux qui potomite famille, qui kebe famille. Ensuite, vous gagnez une femme travailleuse, parce que Haïti, son pays pauvre. Côté femme, vous faites discrimination contre femme, c'est-à-dire que garçon domine femme, garçon abuse femme, comprenez-moi, garçon bat femme, hein, son mari qui fait en Haïti. Abus en dakay, m'a dit. Donc, femme haïtienne toujours travail. Bon, pour si tu as soutenu famille, surtout comme on te dit déjà souvent, papa là pour bail coup de bain pour le travail. Comprends? Bon, troisième catégorie fille, c'est-à-dire que les toujours dans le même style travail, là, oui. Mais ça m'a dit une femme qui dégage. Comprenez? Et des fois, l'on t'y jamais mettre dame tout. L'a dégagé là la vie. Comprenez? Des fois, l'a fait tirer les tout. Mais c'est pour le vivre. C'est pour le dégager. Parce que la vie a dû. Pas qu'une personne qui a balé. Quatrième variété femme qui vient dans Zeuf Sixto, ça lui-même, c'est femme bourgeoise. Hein? Ma ba nous quête exemple, pita. Nous parlons en détail. Femme bourgeoise, femme qui sont dans la bourgeoisie, on hein, prend. Mais des fois, gagnent capé pour un poste bourgeoisio. Alors, gagne bourgeoise, gagne petite bourgeoise, ça signifie qui pas vraiment gagne gros moyen pour ta kembe protocole bourgeoisie, on hein, prend. Mais gagne tout qui faux bourgeoise, parce que finalement, gagne deux femmes qui sont dans la classe moyenne, hein, la middle class, qui. Des fois, tout cap prend, cap imite femme bourgeoise. C'est ça que je me dis, quatrième catégorie, c'est femme bourgeoise ou bien faux bourgeoise. Pour mon cinquième catégorie maintenant, c'est dans masse là, pas vrai?
malheureuse, hein, femme qui pauvre, et puis femme pep, femme qui n'a pep là, qui n'a masse là, ok? Et puis maintenant, dans la sixième catégorie, amrele ça, femme grand jupon, femme forte, femme qui strong, on prend femme forte. Alors qu'on y a, alors grand jupon, hein, on prend son, ça son colloquial en créole, ah ouais, qui pour dos une femme qui pas peur monde et sous bêtise avec lui ou joindre avec si nous comprenons ça me dire là on prend a dit que il pas peur on prend régler avec au monde il pas peur discuter avec au monde et sous comprendre pour manquer dégâts et ben la manque dégâts plus que gens qu'on manque le dégâts son style femme comme ça et que il est femme gros grand jupon femme forte. Alors qu'on y a six catégories ça on baille là. Ou gen d'awè, comme moi mette là, bien entendu, ou ka jwenn plizye karakteristik sa yo la ka y même femme nan. Ça pa veut dire que on prend yo chaque gen des femmes. Non, a dit que ou gen d'awè gen de femmes ouais qui gen deux ou bien trois caractéristiques sa yo. A vrai? Mais caractéristik yo là, ou bien c'est la ka un seul monde ou bien qu'on y a là ou a jwenn plusieurs caractéristiques la ka y même monde. OK? Donc maintenant pour première catégorie, la catégorie maman et matriarche là, alors là moi mettais une femme qui prêt pour sacrifier tête pour petite li, et même pour famille li. Parce que bon maman dans le pays d'Haïti souvent c'est pas maman petite pas seulement eux non, que c'est maman l'autre petit monde. Si gen petit monde qui pas manger la bon manger des fois. Bon, grand pile cas en Haïti, quand tu regardes mari ou femme, hein, husband ne, fait un petit dehors à con l'autre fille, et puis madame nan, maman accepte prêter mon nan pour l'élever. C'est-à-dire que ça a fait plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est pas bagay, et la femme américaine pas prendre au service ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prêche ce bagay comme ça, vous comprenez? Ou nan problem. A di ki ou apre se vwa ti papye divorce. D'après sa m konprann. Konprann? Eh ben bon. Alors ba yo komplike tout. Yon a iti. Parce que des fois, konprann, m pa konnen si sa fèt toujou. Parce que, bon, gen de fi koun nan gen plus en plus fi professionnel en Haïti. Hein? Et m pa kwen mesdames professionnel yo ap aksepte sa nan menman riyo. Donc ça ve di, hein, mwen menm, mwen gen yon matan mwen te fè sa, ka se te plan au petit au monde m'était fait dehors élevé li mais ma tante moi ça pas t'a travail il était dépend de mon oncle moi pour capable gon vie à l'aise parce que j'étais moyen de être dans belle caille petite ville etc. comprendre donc des fois mon a dit bon c'est pas tellement bon que yo gagne qui fait accepter faire ça c'est nécessité la vie qui fait faire ça mais cependant dit oui gon vérité dans ça. Mais l'organe ouais il traitait ti moun nan bien il traitait le tant qu'au petit li finalement ou pas contre qui est-ce qui petit parle qui est-ce qui pas petit parle donc bon bon cœur à dans tout. OK, deuxième bullet point là moi mettais une femme qui pas gain petite mais qui a dévoué tête li pour yon ti parent li un ti famille ou bien pour yon ti moun que li adopté. Ça son deuxième catégorie. Mon troisième catégorie c'est une femme qui dévoue tête li pour petit li, mais tout qui gon ti koule si tirez. Nous kon sa si tirez ve di? Si, like, permissive. Tade, ou maman, ou pon mwen, gon kab, gen exemple mwen pral ba, mwen la di nou kounyan la, par exemple, madame Saint-Vilus. Madame Saint-Vilus, li gon petit fili ki marye, ou pon, mais ti fiyan bon affaire avec un lot neg. Et puis madame Saint-Vilus a toléré ça. Comprendre? Et le mari a découvert ça, mari a protesté, madame Saint-Vilus fâché que mari a pas content que ti fiyan ait affaire avec un lot neg. Nous rele ça maman situeuse, permissive mothers. Comprendre? Donc, il y a ti catégorie ça tout et n'a pas mis maman yo. Mais ça va bien dire que le pas bon maman, non. Mais on tijan moral li, on tijan feb. OK? Ça parmi catégorie maman.
Maintenant, deuxième variété, fille, femme travailleuse. Alors là, puisque moi, l'heure marchait, hein, presque pas sur une heure de temps là, moi, mettez une équipe exemple là pour nous. Comprendre? Et pas vraiment gain temps pour m'entrer en détail dans chaque noyau. Comprendre? Nous avons un PowerPoint là. Si Maurice Sixto, si nous avons fait une recherche dans Maurice Sixto, nous avons rencontré personnage ça. Parce que par exemple, dans la femme travailleuse là, il y a une grosse pièce Maurice, c'est Dépeste. Je me tape dit nous tout à l'heure, Dépeste, c'est musicien, c'est un grand musicien qui fait 30 ans qu'il est en Europe et puis tourne en Haïti. Comprendre? Eh bien, pendant que tu as raconté mes aventures, comprendre? Les bagailles qui rivaient Dépeste, Port-au-Prince, comprendre? Eh bien, les montrer nous, Macom et Sylvia. Pas vrai? Macom et Sylvia, et bon, Macom et Sylvia, lui-même, c'est un monde qui tape Von Griot, ma chaîne Griot. Hein? Nous avons Griot? Fried pork. En Haïti, Griot. Donc, il s'est machin Griot. Mais on voit son monde qui travaille, c'est lui qui occupe Kaila. Et il y a un, par exemple, Manze Adélaïde, qui est toujours dans des pèces. Manze Adélaïde lui-même, il y a une petite boutique. Petite boutique, ça signifie small convenience store. OK? Pour un neighborhood store. Comprends? Donc Manze Adélaïde sont l'autre exemple de femmes travailleuses. Bon, maintenant, la femme travailleuse, c'est me dit nous Léa Cocoyer, c'est un grand c'est premier puis il y en a plus grand Zeuf Maurice Sixto, après et ben Léa Cocoyer gagnait un ministre. Léa Cocoyer montré un ministre gouvernement pays d'Haïti, ministre éducation nationale. Après et ben dans ministère gagne un employé relé un secrétaire Aïda Doupin-Doup. Ça, c'est vraiment créole pays d'Haïti. Je ne sais pas comment tu as traduit Aïda Doupin-Doup. Mais ça, Aïda Doupin-Doup, tu avais dit, il a dit que son secrétaire ou administrative assistant, pas vrai, cap, l'a travaillé, mais cependant, lui a dégagé, lui a utilisé tout à tout que le gagnant. Y compris dans le colis, hein, bagay moun ka besoin dans le colis, pour le capable faire comme, pour le capable avancer carrière. Nous comprenons ce que je dis là? Not really? OK. Donc, je vais l'obliger, mettre plus celle la parole là. Be cruder, right? Le secrétaire, c'est son administrative assistant, right? Secretary, right? Secrétaire. Maintenant, Aïda Doupin-Doup, ça signifie que la travail, hein, la travail, in the ministry, dans le ministère, ah ouais, et bien, si par exemple, on le ministre là, mandé pour sortir avec lui, pour aller dans quelque hôtel, pour le capable de jouer un avantage, une promotion, ça va, vous comprenez? Et bien, mademoiselle Dakwa, il va là avec le ministre. Vous comprenez? Donc, ça signifie. Li prêt pour faire tout ça qui est nécessaire pour le capable avancer carrière li, to advance your career. Il fait sens pour nous là? Pas besoin de faire dessin pour nous. OK. So mais cependant oui, mon a critiqué li, il pas de morale etc. Bon, la vive, parce que peut-être s'il pas fait ça, la perdu job là, comprendre? Donc on ne pas d'accord, mais pas forcément juger lui. Hein? C'est parce que le pays a dû, le pays a injuste qui fait que ça doit arriver. Lui. Ah ouais? C'est pas... En fait, ça qu'on arrive aux États-Unis, tout. Ah ouais? Mais au moins, beaucoup n'y a là. In years past, ah ouais? Un paquet de filles abused, hein? Harassed. Rien pas arrivé, moun nan qui abuse. Hein? Beaucoup n'y a là, ils sont là. Il y a des MeToo movement, etc. Même mouvement, ça, c'est pas qui est récent, hein? Pendant un paquet de temps, même aux États-Unis, dans le monde entier, fils subi de abus, hein? Harassment, dans mes garçons. Donc, c'est le cas de secrétaire Aïda Doupin-Doup. Donc, là, maintenant, je ne vais pas à travers cela, pas vrai, parce que chaque autre exemple, là, c'est toute une histoire de Sixto, hein? Donc, nous pas guettons pour ça, mais météo là, nous gagnons, si ça intéresse, nous faisons une recherche, nous. Ah ouais?
à travers personnage ça par exemple de Anne Maurice dans l'octave macopé dans gros morceau des marchands sous champ de masse etc. Donc nous qu'a fait une recherche nous-mêmes on capable avancer et maintenant femme troisième catégorie c'est catégorie femme dégageuse femme qui des fois yo met dame tout comprendre et est-ce que nous connons le mot ça, dégagez, ça veut dire? Nous va connaître dégagez? Ok. Dégagez, li vini d'un mot créole, un verbe créole qui est dégagé. Ok. Dégagé means, li ve di, comment on dit ça là? C'est-à-dire que, ou a fait tout son capable pour résoudre un problème pour gagner. Vous comprenez ça? Ça dit que pour dégager. Alors dégager avait dit littéralement pour capable free yourself. Là on a un problème, on a un problème, hein? On a une grosse difficulté et pour dégager comme si aucun beau absouqué quoi pour capable libérer quoi, pour dégager. Et là on fait ça et on dit que sont dégageuses. Ça dit dégageuse, c'est une fille qui a dégagé tête là. Hein? Bon, maintenant, littéralement, pas vrai, mais dégager avait dit tout, si qu'on y a un démarche pour faire un bagage pour faire, pour résoudre un problème dans la vie, eh bien, on va faire de façon à ce que on résoudre problème dans la vie. Pas vrai? Donc là, il y a quelques cas, dans le Sixto, bon, et puis tout, alors, mais des fois, sometimes, des fois, ils ont met dame tout. Femme dégageuse, des fois, mesdames. Est-ce que nous connaissons ça, mesdames? Nous avons des mots ça déjà? Mesdames. OK. Mesdames, on a dit cunning. Hein? Cunning. En fait, mesdames sont mots que vous dites surtout pour garçons. Hein? For men en Haïti. Et mesdames viennent de deux mots. Ils viennent de deux mots. Maître et puis dame. Maître. En créole, c'est master. Dame, c'est women. Donc, là, nos garçons, mettre dame, ce sont hommes qui contrôlent les filles bien. Les roues, les filles, bah, filles mentis, on prend le c'est là qui confie les filles. Vous comprenez ça? Et que, monsieur Seyon, Seyon Casanova, hein? Mais, on ment tout. Lying to women. Mais, you get bon bouche. Do you know bon bouche? A sweet mouth. They have a sweet mouth. So, y a pas la fille, c'est menti à bailler. You know menti, you're lying, right? C'est menti à bailler, mais you tellement parlé bien. You get bon bouche, fille à quoi yo. You it is a met dame, master of women. So, met dame. But, en façon générale, met dame veut dire un monde qui on prend cunning tout et des fois on doit dire on fille madame. Make sense? OK. Good. Donc là maintenant non mesdames dégagez mesdames qui madame dans Léa Cocoyer gros pièce là ouais Léa Cocoyer est toujours là c'est Léa Cocoyer qui a un paquet de bagaille là dedans comprenez. Il y a toute une variété de femmes qui dégagez. Par exemple, premier mettez là, la première bullet point line, the first bullet point, c'est Lily de la Fouque Chaude. Lily de la Fouque Chaude. ouais, même nom, Fouque Chaude. C'est-à-dire, comme nous ne pouvons pas parler français, nous ne pouvons pas comprendre. Sa Sixto fait le, son nom que le créer Fouque Chaude. Pas vrai? Parce que, et Fouque Chaude, il sortit dans deux mots. Dans le mot Fouque, créole, et Fouque là en créole, I don't know if this is allowed, but it's a word of the vocabulary. Fouque means ass in English. Right? And chaude means
heart. So when Sixto, le Sixto créé non ça, la foucle chaude, donc il créé, nous comprenons ce que je dis là? Non, écoutez, man, you see where I'm going with this? C'est-à-dire, foucle chaude. Amelia got it. Thank you, Amelia. Yes. So Lily de la foucle chaude, so Sixto, fait mademoiselle aller dans le ministère éducation nationale, the Ministry of Education in Haiti. Lily besoin travail, li besoin job. OK? She's looking for a job. Et la jeune ministre là, son petit bourgeoise lié, mais bourgeoise a fait pas bon, il pas gain comme. La jeune ministre là, pour le mandat des ministres là, yon travail. Alors même ministre ça en vend ça Léa Kokoye, nous songe m'te parler de Léa. Léa c'est the teacher qui gagne un diplôme ni et puis qui pas cap joindre un teaching job. She has a diploma and can't find a teaching job in a country with most people illiterate. Il pas fait sens. For yo besoin moun comme ça. Un monde qui teacher qui gagne professional training qui éduqué comme teacher, il pas capable joindre un job. Pas vrai? Donc Léa Kokoye t'a joindre ministre là pour m'donner un job. Mais Léa pas belle fille, comprends-moi, il paraît, il pas intéressé ministre là. Ministre là mettait le dehors. Ministre pas ballon job. Et puis après Lily de la foucle chaude vini. Lily vin cherche un job nan men ministre là hein et puis ministre là welcome Lily, li ouvre deux bras, open his arms to welcome beautiful Lily et puis tout de suite li bay Lily un job. Lily pa konn fè rien, non, Lily pa teacher, Lily pa gen diplôme rien du tout, mais ministre là ba li un job parce que Lily c'est belle fille. Lily alors, après ministre bal job là, ministre sorti là l'autre côté là dans l'hôtel à Tifia, pas vrai? Donc qui ça dit nous? Ça dit que son aspect de injustice qui gagne, oui, dans le système pays d'Haïti. Mais cependant, ou gen doit critiquer Lily qu'elle soit fait de bourgeoisie, de belle fille, etc., qui parle français, là cherche un job. Mais cependant, c'est dégager, l'a dégager le tout. Parce que même si c'est bourgeoise, she has no money, Lily, right? She has no money. She needs a job, elle a besoin de travail. Et bien, mademoiselle allait, il dégageait lui avec ministre pour capable de faire un job. Elle n'est pas belle, hein? Mais son réalité que souvent, fille joigne la dernière, obligée à dégager. Ah ouais? Et dans même question dégagez là où moi mettez toujours dans premier bullet point là, in the first bullet point, maman Léa, hein, maman Léa Kokoye. Eh ben Léa pas travail, eh ben le Léa tal ou ministre éducation nationale pour demander travail là, eh ben c'est un ami maman Léa qui travaille dans le ministère que maman Léa te dégagé ou même a fait dégagez là. Fais un mien, prends un rendez-vous pour lui avec le ministre de l'Éducation nationale là pour capable, ouais, si Léa t'a joint un job. OK? Et malheureusement, ça pas marché. Alors, comme nous sommes une lettre là, est-ce qu'il y a une question? Comment nous y est? Everybody's OK? Can go on? Perfect. Perfect. OK. Yes. Maintenant, un deuxième exemple, ma banon là, dans le deuxième bullet point, c'est exemple Zabel Bock. Songez, ça me dit, nous, Zabel Bock, c'est un avocat Greneg. Pour moi, si je te présente dans la pièce là, monsieur Chita sous galerie la Kaeli. Hein? Galerie, c'est porch, right? Li Chita sous galerie, li, sous porch, li, avec monde qui vient visiter li. Et puis, monsieur a parlé vaudou mal. Hein? Alors,
la question, pardon, Sixto touche question vaudois parce que ou gagne une situation en Haïti côté ou bon paquet monde qui dou yo pas nan vodou. Yo want vodou. They are ashamed of vodou. Yo pa vle moun konnen que y a fait vodou. Et pourtant, yo se vodou practitioners, yo se vodou visan. Right? Et c'est ça que des fois les romans de ou, yo di ou, et quelle situation religion en Haïti? Par exemple, combien catholiques, combien protestants qui gagnent, etc. Eh bien, souvent, yo di ou, et gagnent, disons, 60% catholiques, hein? 60% catholiques, 40% protestants, 40% protestants, et puis 100%, 100% vaudou. Vous comprenez? Understand? Donc, 60% catholiques, 40% vaudou, et puis 40% protestants, 100% vaudou. Ça signifie presque tout le monde en cachette, you know, in the closet, il a fait vaudou. Eh bien, c'était avocat, avocat chita sous porchli, vous comprenez? Il chita son rocking chair, un prestigious man, important man, l'a parlé vaudou mal. Et puis maintenant, gagnez yon ti moun kap travay la kaeli ki paraît vin sou poch la vin di moun yo mais yo gon lamp vodou an ba la kaela mon pou lante li chavire lamp vodou a ki te m'explique non ça ça veut dire que c'est yon lamp lan it's a lamp right nan vodou people have lamps that they kept on all time. Donc, yo gon lamp vodou ki nan basement la kaela et gen yon poule, a chicken ki entre, ki vole et ki jete la plan a te. Donc, ti fian li même li pe, yo jete lamp vodou a te, li pa de yon mauvais bagay rive li, li kouri monte, vin di moun yo sa sou poch la. Vendi avocat avec madame avocat ça donc moral que qui gagne maintenant non a fait parole avocat ça non parole vaudou ça c'est que bon manque de sincérité la caillon pile haïtien vis-à-vis de religion et en fait avocat pour qu'on parle ensemble à madame ni c'est parce que c'est madame nati qui a devin joine madame là l'a dégagé le tout nous a fait vaudou li alors là qu'on y a exemple ça me là c'est exemple dans la petite veste de galerie de papa et pour nous parler de Isabelle Bock là lui même précisément quand alors comme tu parlais de vaudou devin menem dans la petite veste de galerie de papa mais on retourne sur Isabelle Bock. Isabelle Bock lui même son avocat tout ouais ils sont avocat mais li marié avec une petite dame que y aurait les Mina mais li vin vive la kaiti fille hein parce que maman Mina the mother of Mina te gen kay pali ou bel kay beautiful home ah ben Isabelle Bock vin vive la kay moun yo et depuis Isabelle Bock marié à Mina Isabelle Bock pa jam travay Isabelle Bock pa jam travay et puis moun yo a bay Isabelle Bock manger donc Isabelle Bock chita nan kay la a bay madame ni Mina et puis maman madame ni maman Mina occupé li donc le kounya la moun yo wè maman Mina essayé cherche un travail pour Isabelle Bock. Isabelle Bock dit pa vle travay la li pa vle travay li vle pou chita la pou moun yo a occupé li feed him 3 times a day for free, he's not working, Isabelle Bock. Donc, maman Mina, qui voit que parole Isabelle Bock, ça son problème, eh bien, là, elle relè un seul, il relè Manzé Sandrine, hein? Là, elle relè un seul, pour vin aider li résoudre problème Isabelle Bock, parce que le Pakachita a occupé Isabelle Bock. Donc, maman Mina, son l'autre femme dégagez tout, li pas capable résoudre problème Isabelle Bock là. Pour contre lui, eh bien,
Là, elle cherche celui qui maintenant, qui c'est une femme forte. C'est la dernière catégorie, je parle, numéro 6, là, c'est femme forte, strong women. Eh bien, mamzelle Sandrine, qui c'est marraine, qui c'est godmother of Mina, hein? Eh bien, maman Mina allait chercher mamzelle Sandrine pour venir aider avec Isabelle Bock. Et mamzelle Sandrine venait dans le calendrier, elle met Isabelle Bock dehors. She kicked Isabelle Bock out of the house. Parce que vous parlez de travail, you don't want to work. Mon yo pa ka vin okupo la, soti nan kay la. Right? So, yeah, yeah. Look time I compare, let's weekend, see, I don't want to, because it, I have to explain a lot to you for you to get the story. You see, it will take the whole time. Let me try to advance. Yeah, Madame Jules, Madame Charles, right? But, si vraiment, nous intéressés à créole, pas vrai? Pas qu'à dire si vraiment nous intéressés à créole. Nous intéressés à créole because you are here. If you're here, that means you have an interest in Creole. Well, the works, travail, Zev Maurice Sixto, pas vrai? Son bagage pour nous garder la donne. Parce que si vous tendez un peu Maurice Sixto, il est difficile au commencement parce que son créole qui est authentique, pas vrai? Et monsieur parlait créole, la normale. On ne dit pas. Et quoi qu'il parlait bien, oui, le Sixto a parlé pour comprendre tout ça, il dit. Parce que les articulate, vraiment, il est un excellent speaker. Il parlait bien. Autant de pratiquement every syllable within every word. C'est comme ça, monsieur parlait. He's so good. Donc, Sixto, qui a aidé nous en pile, non. Apprendre créole, si nous voulons faire progrès dans créole, si nous tendez Sixto, hein, si nous ne pouvons pas comprendre, parler avec un haïtien, qui ça, ça me veut dire, qui ça me veut dire là, apprendre, et wap, la enrichi vocabulaire, nous, la enrichi pratique, nous. Parce qu'on est en langue, on ne pas apprendre une langue, nous need to practice it. So, autant de lui, essayer de parler avec haïtien, right? Et la paix de nous a fait progrès en pile. OK? Alors, tout exemple, ça, vous me mettez là, pour faire forme de gagesse, là, qui t'aime me dit ça, vous me mettez pour Léa Kokoye, moi, par exemple, Lili de la Foucault-Chaude, secrétaire Aïda Dupendou, maman Léa Kokoye. Dans Isabelle Bock, moi, par exemple, maman Mina. Dans l'Octama compère, alors, songez, me dit nous, l'Octama, c'est un bon vivant, un jouisseur, qui t'a long fait, un côté. Et puis, qu'on y a là, qui rencontre Mademoiselle Fifine, hein, une petite jeune fille, monsieur, is courting the girl, pour petite fille arrêter, vient dormir avec elle à souhait. Ouais. Madame Jules, me dit nous, c'est une dame qui marie avec un monde qui pigre, un monde passé lui, et puis, il découvrit que Marie-Li, Jules, a filé Niesli. Trying to have an affair with her niece. She is very grave. Right? Madame Jules, fâchée. Ah ouais? M'banou exemple là, ton Charles. Alors maintenant, exemple, forme dégagée là, c'est Madame Charles. Cap cherché avantage n'importe où prince. Ouais, toute fille ça yo que mettez là, yo son bonne femme dégagée. Mais non façon différente. Vous voulez nous comprendre ça? They are, you know, they are good at taking care of their business, but in different ways, right? Gen plus moral passe l'autre, gen qui gen plus courage passe l'autre. Par exemple, maman Mina, pas capable bouler avec Isabelle Bock. Pour contre, la chercher Sterling, manze Sandrine, pour vin courir avec Isabelle Bock. Donc, le par exemple, m'a dit qu'on variété de femmes qui dégagez et on mettait des fois, sometimes, mesdames, cunning, right? Donc, c'est pas une seule façon. It's a variety of ways that they are trying to deal with hardships in life. OK? So, m'vle pour nous comprendre ça. OK. Maintenant, quatrième variété de femmes. Qu'on y a là, c'est femme bourgeoise, privileged woman, bourgeoisie, ok?
Alors, m'te dit nous bien, ou bien faux bourgeoise, fake bourgeois, right? Qui a essayé de paraître pour bourgeois, comprenne? Mais qui n'est pas vraiment bourgeois parce que peut-être qu'il n'y a pas de moyens, they don't have enough money for that, right? Mais il y a des petits moyens quand même, il y a une classe moyenne, mais il y a pu imiter, il y a pu imiter bourgeoise. Ouais. Alors là, nous retournons dans les Akokoye, par exemple de Lily de la Foucault Chaude, okay. Qui sont bourgeoises. Et Sixto, alors me dit, Lily de la Foucault Chaude sont bourgeoises, Lily. Dans la petite veste de galerie de papa, hein, by the way, la petite veste de galerie de papa, moi, dis-nous, c'est français, ça y est. Est-ce, nous comprenons ce que ça veut dire? La petite veste de galerie de papa. Is it clear what that means? Non? I have to tell you, pour nous comprendre. La petite veste de galerie de papa, ça veut dire. Ça veut dire que c'est grand avocat, ça me dit noir, hein? Qui chita sous poche, qui parle à monde, qui parle vaudou mal. Songez ça? OK? Monsieur, son avocat qui est tellement prestigieux, he has, as a lawyer, he's so much prestigious, il n'est pas capable de sauter, quitter Kylie, sauter sous poche, sans pas mettre un jacket. Parce que si c'est monsieur qui a fait la gueule, ça pour nous là, il a un bon jacket sous lui, il n'est pas venu avec chemise comme ça sous moi. Non, he's a prestigious man. Il must have a jacket. Donc, comme monsieur c'est grand nègre, c'est bourgeois, he has money, yo font a special jacket for him. Alors, jacket in French c'est veste. Hein? And petite, it's small. So they made a small jacket for him, petite veste, pour le cassotis sous poche. Poche c'est galerie. Hein? So, la petite veste de galerie de papa, it's dad's, hein? Dad's little porch jacket. Make sense? Which is ridiculous in itself. I mean, the title itself, I mean, hey, what the heck? The man is in his home. It's a Saturday morning. Friends are visiting you. You need to have a jacket to come out to receive your friends. This is ridiculous. So, the very concept of a little jacket for daddy to come out on the porch and talk to his friends is like totally ludicrous. So then, by choosing that title, Sixto puts you in a mood. You know, what the heck is that? Let me listen to what he's saying. And the thing is completely hilarious. And so, am I speaking English? Bagay la comique. Ben, complètement comique, et Jean l'y finit, hein? La conclusion, the ending of the story is like out there, right? So, essayez d'étendre la petite veste de galerie. By the way, toute pièce Sixto, you're sur YouTube, right? Yeah, you're sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, and you type la petite veste de galerie de papa, la montée. Vous obtenez les voix, monsieur, beautiful voice. And then, try to listen. Right? Try to listen. Si nous joignons qui live, gen qui live, quand gen moun là, le monsieur était vivant, et puis vous obtenez des moun qui rient. Vous comprenez? Donc, si nous venons live, et puis nous avons des moun qui rient, hein? Essayez de comprendre, et vous, ou même ou pas rient, c'est ah, what did I miss? Pour qui ça me parle? Why didn't I laugh? Everybody laugh. I didn't laugh. I didn't understand. And you listen again. So that's one way of learning Creole. By the way, I'm a very good imitator of La Petite Veste de Galerie de Papa. Actually, I have something on the internet. So you can look for me. Telling La Petite Veste de Galerie de Papa. So, go, tendez, also YouTube, cherchez, hein, Léa Kokoye. That one is like, Ludovic, tu pensais ou tu prévois bon outil bagay, oui?
Wow. Oh, m'de di, oh, m'kon wap bon ou ti baray kan men. Ah, m'pa prévoir ça, non? Ah, ok, non, mais si tu pas prévoir ça, c'est pas grave, mais... Parce que si, ça qui passait, c'est que Sixto, m'a pas dit Sixto si m'a pas préparé. M'comprenne. Vous comprenez? M'comprenne. La petite veste, on prend de main et si m'te connais, ça m'a fait un préparer, M'comprenne. parce que forme fait exactement bien. Oui, c'est ça, oui, je comprends. I don't feel I can do it perfectly. I And see. the very fact that I didn't prepare for that, that will be an impediment for me. I don't want to leave my friends over here with the bad impression that I'm a lousy imitator. So, and I pretended that I'm a good one. So that's for la petite veste de galerie de papa, daddy's little, porch jacket, right? And then t-shirt anise, si one of the, ki se yon pièce Sixto ki pi du, ki triste, et pourtant gen bagay la den ka fort, oui. And say, en fait, the genius, un génie of comic, un génie comédie, c'est ça le gars la kaili. Même le kounyan la montre yon bagay ki pa agréable, ki pa belle, ki triste, hein? Li ka fori la den. Da di ke kote ki diyo, li pa fori, non, nan non, ti setanize. Parce ke ti setanize, kom reste avek, se histoire yon, son drame humain, human drama. Kom gade, on ti moun, ti setanize is 8 years old. She's 8 years old, il a 8 ans, et c'est lui-même qui levé en vannant Kaila, il levé avant tout le monde pour la préparer bagaille. Et c'est lui-même qui a dormi en dernier. She goes to bed last. Up first in the morning, to bed last that night. Right? Donc, ça, son situation que société haïtienne a bien pour le résoudre, il a dit que bon. Je me suis posé depuis, oh, mes femmes disent ça, tout Tissaint-Anise, le Moïse Sixto fait Tissaint-Anise, chercher sur YouTube tout, tant d'élits. Hein? Des fois, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais je Sixto dit là qu'à comprendre. Hein? Parce que Sixto pas 10 pièces, non? Il que, he doesn't say them, he plays them. Sixto, c'est ton extraordinary actor. Li fait voix tout moun yo, all the voices, he makes them, and the right tone. Donc Sixto, vraiment, t'es extraordinaire, un génie, li, un talent artiste, hein? Un talent, hein? The skills, tant qu'on yon artiste. Donc là, essayez tant de ti Saint-Anise, ti Saint-Anise, gen 8 ans, 8 years old. Et il a quand même eu cap maltraité sans raison, out of being bad people. That's all. Que y a maltraité. Right? So, le Moïse Sixto mettait Tissaint-Anise dehors, moi songé, c'était dans fin année. Fouais non, c'est Tissaint-Anise, c'est early 1980s, right? Oui, Yeah, early. pendant à parler, je vais vérifier, mais je connais que Léa Cocoyer, c'est ses premières. It was the late 70s, Léa Cocoyer. Oui. The late 70s. Mais Tissaint-Anise, it's like the first half of the 1980s. Because I had just started college then, I recall, in Haiti, Oui. right? Mais Yes. Mais en fait, je ne sais pas si ça, le Moïse Sixto, alors m'a dit ça là, parce que Fouenan, puis jeune passé, mais. C'est pas vrai, Fouenan? Oui, Ou moi c'est ça. bien c'est Pigou qui fouille. Ok, même Non, là. moi c'est un capi jeune. Ok, Peut-être pas en pile temps. Non, puis le temps, yes. Et
Non, le Maurice Sixto Fetty cette année, c'était un coup pour la société. La société qui a chanté. Parce que tu as gagné un reste avec dans le pays. Hein? Moun te connaît qui a maltraité reste avec. Mais Sixto vient mettre image devant comme ça. C'est stop. Ou choqué, ou saisi. Comprenez? Ou saisi. Et il y a un monde, moi, qu'on est, qui dit que, qui vient prendre conscience, hein? Il prend conscience, il dit, oh, je pas fait tout ça, si je te montre dans cette année, mais peut-être mon petit Jean trop dû avec Tiresta, avec qui la carrière, peut-être faut mon petit Jean more humane with that child. Right? Et donc, si cette année, font provoquer une équipe changement dans la société haïtienne. Ah ouais? Provoquer une équipe changement dans la société haïtienne. Là. Et là maintenant, vingéyé qu'on y a là des œuvres, hein? Humanitarian deeds, hein? Qui viennent faire pour aider Christ avec. Pas de ça avant. Si après ti cette année, par exemple, juste journée aujourd'hui en bon pain, qui Miguel Jean-Baptiste. Vous entendez parler de Père Miguel? Non. Non, Père Miguel. Yes. Le petit sataniste était sorti dans l'année 1976. Oh, 76? Oui, okay. C'est le deuxième album Maurice Sixto. Ok. Le deuxième volume. Non, c'est le troisième volume. C'est le troisième volume. Oh, 76, so I was still in early high school. Yeah, oh really? Okay, okay. Yeah, donc, yes. Jusqu'à jeune et jeudi, il y a une organisation, il y a le foyer Maurice Sixto, a Catholic priest, un père catholique qui fait lui, il y a le foyer Maurice Sixto. Côté monsieur a aidé rester avec. C'est-à-dire que si par exemple on reste avec un côté qui a maltraité, eh bien, des fois, il y a le petit monde. Il y a dans l'État, hein? il y a le tribunal ou something pour dénoncer une famille qui a maltraité un petit monde qui l'a caillou, un petit reste avec, et il y a le petit monde qui a mis la foyer. Il y a un paquet de petit monde. Depuis des années, la fait ça, il y a un cognon là qui grandit, marié, etc. In the foyer, Maurice Sixto by Father Miguel to help the rest of us that Sixto denounced in Tissetanis. Right? That was a major shock to the society. Once you understand this thing and you listen to it. See, I imitated Tissetanis once and I vowed to never do that again. Because when I got l'homme entré en dedans pièce là, Jean Sixto fait là. Parce que la pièce là a fini, la petite Saint-Anise a fini. Maurice Sixto imité voix de Saint-Anise que yo voyait à vendre café dans la rue. Après elle fin fait tout travail dans caille. After she's done all the chores in the house. OK? They gave her ground coffee to go sell in the neighborhood. Et puis Sixto a imité voix de Saint-Anise qui a dit « Mais café grillé. » Donc, m'a imité de Saint-Anise, it was maybe 15 years ago. M'a imité lui, il y a 15 ans de ça. Et puis, l'homme rivé n'a pas dit ça pour m'a imité de Saint-Anise qui a vendu café grillé, selling ground coffee in the neighborhood. Jean Sixto fait là et m'est obligé imiter Sixto Jean le fait là li bouleversé. It was so hard when I finished with this thing m'te senti tellement triste ni m'bap fait ti sa l'année. C'était ti sa l'année pour Sixto
Eh bien, Sixto mourir sur l'autre monde l'a fait cette année, j'ai fait. Parce que tellement, monsieur, il faut sentir douleur si cette année, ce qu'il a maltraité. OK. C'est distance ça, oui. Yes. C'est distance ça que Maurice Sixto arrive et prend avec la situation que l'a décrit, qui fait de lui une audience extraordinaire. C'est Jacques pour écrivain qui a décrit un bagaille, il connaît folle près distance. Yes. Sinon, il ne peut pas raconter avec objectivité. Objectivité, c'est ça, oui. Ou bien dit. Bravo. Et ça veut dire que si Kounia là, moi-même, Cap dit Maurice Sixto, si peut-être bon l'autre occasion qui présentait Pumta, peut-être dit Saint-Anise, eh bien, c'est ça pour me songer, il faut, non? Soit ça dit là. Comprenez? C'est-à-dire, comme si vous faites dans quoi artiste. Comprenez? C'est ça. Et en fait, c'est dans toute profession. Par exemple, tant que Kounia là, ou regardez, nous avons une pandémie, hein? Coronavirus. Mais on n'a pas que essential workers. Mais, oui, nous avons un peu dans la télévision. Hein? Nurses, doctors, matin, dans la National Public Radio, tu as un documentaire, un small documentary, côté Abdiou, qu'on a besoin d'aide pour essential workers parce que gagnent qui gagnent syndrome PTSD. Mon appelé mourir devant yo. Docteur, yo interview un docteur qui a dit que il gagne nightmare parce que la demande de ce lick pas font bagaille bien qui fait un tel mourir. These are tough stuff. You see, these are tough stuff for human beings to deal with, right? Yeah. Okay. Okay. Donc yes. Si bien comprendre qu'on y a là. Yeah. Nous qu'a passer nos phases question. Nous qu'a fait ça, nous qu'a fait ça parce que sacré Théo là nous parler de déjà. Ouais, pas tant pis. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est ça. Voilà. Nous parler de et réflexion yo nous faire déjà. Donc oui. Good. Yes. Yes. Eh bien, m'a dit docteur Komo un gros merci pour belle présentation ça. Pour parce que c'est en pile temps, c'est parler pendant une heure et demie sur Maurice Sixto. Il t'a qu'à parler toujours, mais évidemment, c'est moi alors me féliciter Dr. Komo parce que c'est parler sur Maurice Sixto dans un contexte particulier, ça n'est pas facile. Parce que si c'est ton public haïtien qui t'a parlé créole, il t'a beaucoup plus facile. Dr. Komo t'a qu'à parler pendant toute journée, là, il t'a fait des bagages, il t'a dit. Mais là, l'obliger à jongler avec français, avec anglais, français et créole, et pour lui arriver à assurer que nous comprennent, que nous intéresser, nous comprennent ça qu'il dit. Donc, ce n'est pas du tout un bagage qui est facile. Donc, il faut un travail extraordinaire. Donc, nous demandons pour nous battre un gros bravo pour lui, pour nous remercier lui pour la présentation. Ça. Thank you very much. Appreciate it. Yeah. Donc, Kounia là, nous arrivons dans une phase côté que nous étions à peu près 20 minutes. Donc, si nous gagnons questions, commentaires pour Dr. Komo, Naptanio, et nous cas seulement, nous cas écrit dans le chat là, you can write in the chat, or you can just, you know, unmute yourself and ask your questions. Donc, nous l'avons dit que nous si nous gagnons questions. J'ai une question. Yeah. Oui. Pour qui ça ou t'es intéressé pour faire imitation à Maurice Sixto? Merci. Je suis intéressé. Maurice Sixto, et c'est vrai, Fouenan, c'est cette année, c'est années 70, the 1970s. C'est, pendant que je pose la question, ça me vient de ça. Le Maurice Sixto commence à sortir. Tellement remè Maurice Sixto, dans la secondary school. Alors, là, ça, pas de iPad, pas de iPhone, etc. Maurice Sixto, te gen ti kaset. Nous avons ti kaset, yo. Have you seen them? Those old Jurassic cassettes. You know? C'était kaset, ça, te gen, hein? Donc, ou gen ti cassette ou fou, l'anti-radio cassette ou fermé pour peser bouton. Et puis,
The sound was not good. Map tande Maurice Sixto chaque soir. Mwen ti radio cassette mwen, mete le bot et kaban mwen. For a number of years in my 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11th grade, every single night the good Lord makes, I have Sixto by my pillow and I'm sleeping at Sixto. Yon jou, bon réunion zami, group of friends we met, et puis genyen yon zami yo ki di bal di Sixto. Se tout moun te fou pou Sixto nan peyi a. Sixto met tout moun detanman. Et puis, monsieur a dit la petite veste de galerie de papa. Et puis, un temps déjà, monsieur dit, il dit, monsieur, non mais, gen de bag a ou dit là, c'est pas ça, Sixto dit, non? Monsieur dit, moi, eh bien, sou kont Sixto kon son pa dit. Et puis, tout le monde dit, oui, comment, dit Sixto? M'bat jam di Sixto avant. M'di non, je dis non, puisque deal li pas bon, c'est pour faire. Et puis, mwen deal. Et puis, tout moun relambwe. It was perfect. I didn't know I could do that. I didn't know I learned them by sleeping with it. Seriously. And since then, I've been saying Sixto. So, m'pa prepare, m'pa fè choix. It's by happenstance, une occasion à présenter. Hein? Je dis, je dis Sixto, je ne suis pas capable de dire Sixto, je dis Sixto, et puis c'est comme ça que je réalise que je connais. Voilà. Merci. Merci. Mais en fait, Sixto, c'est. Je ne suis pas capable de dire avec Fouina. Sixto, pourquoi fait oralité créole? C'est un coup d'a dit Shakespeare en anglais. On prend gros classique ça yo de Victor Hugo en français. Oui. Au contraire. J'ai une question pour vous, justement, pendant parler. Alors, m'a posé question maintenant en dernier. Si il y a l'autre monde qui voulait poser question avant. Ma petite opposé avant. Sinon, ma petite me garder. Moi, j'ai une question. Ok. Est-ce que vous pensez que Sixto toujours gagne un gros impact sur jeune génération pep haïtienne? Je pense que oui. Oui. Parce que bon bagay qui rive, c'est-à-dire que Sixto dit tout bagay. C'est-à-dire, pa gen yon circonstance dans la vie ou pa gon phrase Sixto pour pa ka pran pour expliquer circonstance. C'est-à-dire que Sixto pa parler de iPhone. Sixto pa parler de DVR. Ça va exister. Vous comprenez? Mais en termes de circonstances la vie, expérience la vie, moi-même, moi c'est monde, moi créole, m'de non l'école catholique, côté où t'es forcé par les français, etc. Moi-même, moi viens parler créole avec Sixto. Moi dit, avant Sixto, m'de parler créole, mais c'est ton créole, moi le sa francisé, comme si les plus gon paquet français la donne. Bon créole haïtien, peuple haïtien parler dans la rue pays d'Haïti, dans tout la coin pays d'Haïti, c'est Sixto qui monte me parler ça. Donc moi me dit que Sixto fait vin haïtien authentique. Donc authenticité ça que Sixto gen la kailia, jujou nan jodi an nouvelle génération, parce que nan prend haïtien, même si ti moun 15 ans, 12 ans, 18 ans, qui tande Sixto parait même parce qu'il est fort et tout parce qu'il est tellement il est authentiquement haïtien. Vous comprenez? Donc Sixto quelle que soit circonstance la vie, sous qu'on Sixto bien. Des fois m'a parlé au monde d'un bagage dit "Oh, ou dit ça bien, me dit non, pas moi, Sixto te dit."
C'est Sixto Mzondo là. Sixto, quel que soit son besoin dit qu'il regarde, non seulement haïtien, mais peut-être la vie humaine en général. Sixto fait réflexion parce que, ben, these are dozens of hours of stuff que M. Guité. Oral stuff. Donc, oui. En fait, et m'a fini avec ça, là où est, you invite m'vin di Sixto, le mal di Sixto m'a toujours commencé pour me dire public là, audience là, tant pis s'il vous plaît, pas parler. Quitte me dire parce que là nous parler, nous perturber, même pas qu'à performer bien. Pour qui ça? Parce que presque tout le monde dans la salle là, il connaît Sixto. Donc pendant qu'il dit bagala, il dit la veille. Est-ce que vous comprenez? I'm saying Sixto and they are saying Sixto with me. Which is disturbing. Donc, je ne pas. Tant pis, commencer avant de commencer à dire Sixto. Je tant pis, tout le monde fait silence, pas parler. Mais si nous parler, n'a pas dérangé, même pas qu'à continuer. Si je dis ça, il y a au moins 10, 15, 20, 30 personnes dans la salle qui ont dit Sixto ensemble avec. Déjeuner, je veux dire. Oui, c'est vrai que ça montrait popularité. Popularité Sixto. Avant de poser une question, non, ma permettez-moi. Et continuer et un peu par rapport à ça, docteur Komo Tabdia, pour répondre à la question Alex là, et qui démontrait Jean Sixto était vivant dans la société haïtienne. Non, Jean Sixto était populaire. Nous gagnons un paquet de petits jeunes rappeurs, petits jeunes, jeune génération qui a fait musique rap, qui a fait musique compas, qui a fait toute qualité musique reggae, mais qui dans la musique, où j'ai un paquet d'éléments qui sont dans l'audience Sixto, ou bien qui prend deux, par exemple, un bagage Sixto qu'on dit, et qui était dit dans l'audience Gromoso sous Chan Mas. Bali Boulevard. Yeah. Bagage ça où je n'ai dans pile musique. En pile musique récent. Ou encore Charles Mas. Voilà. Voilà. So, qui s'en t'a dit en anglais pour faire comprendre Charles Mas? Qui s'en connaît en anglais? Qui t'a... Ah, c'est difficile, oui, parce que ça fait référence à un spécifique. Un place, un square, in Haiti, a famous. Yeah. The main square in Port-au-Prince, right? Yes, the main square. Ouais. Yeah. C'est. Donc, c'est ça. Yeah, you're right. Yes. Alors, question que je devais poser, c'est comme tu parlais de Victor Hugo tout à l'heure, justement, et où qu'on est l'opre de l'audience. Et qui est en français, l'audience J'évangé la race. Race, yes. Bon, paquet, non seulement l'audience en français, mais bon paquet référence, parce que toute référence, yo, c'est de auteur français, etc. Yes. Et lorsqu'on compare l'audience, qui c'est seul, je te dis, qui c'est seul l'audience, vous voyez que c'est écrit en français, lorsqu'on compare avec l'audience en créole, yo, qui impression personnelle, l'obtenez tous les deux, ça qu'en créole, ça qu'en français. Là. Mon cher, son gros question posée là. Nous avons tradition, la caïnon haïtien, comme peuple, nous identifions nous avec l'Afrique. Pas vrai? En fait, il y a deux côtés, autant de dire que Haïti is the oldest daughter of France and Africa. Haïti, c'est plus grand petite fille, la France avec Afrique. Parce que c'est premier pays dans la diaspora africaine, pas vrai, pas des Africains qui vivent en dehors de l'Afrique, hein? C'est premier pays qui fait. Mais cependant, étant donné que le peuple haïtien souffrit dans la France, hein? Nous avons subi l'esclavage et l'esclavage de la France a été dû en pile et la France n'a jamais traité nous comme si nous étions égal avec lui. Donc, quelque part, en pile haïtien qui a tendance à rejeter la France, surtout même c'est Afrique que vous avez. Que Afrique, c'est là, les ancêtres sont sortis. Et c'est vrai, puis il faut haïtien, les ancêtres, non, c'est l'Afrique qui est sorti. Mais cependant, la France fait partie de l'histoire pays d'Haïti tout. C'est-à-dire qu'il y a un pile douleur dans l'histoire, mais la France
fait partie de l'histoire pays d'Haïti tout. Donc, cela veut dire que gon théorie, me contente des professeurs me dit ça, l'aime de l'école dans Saint-Martial, comprendre, et que culture haïtienne non, c'est une culture qui afro-latine, alors latine c'est pour la France là, comprendre, afro et puis latine, mais avec prédominance de l'afro. That means the Haitian culture is a mixture of African stuff and European stuff, but with great majority of it, it's African. Mais même si son petite minorité gonti présence Europe là la dernière, parce que traditionnellement éducation Haïti très occidentalisée. En Haïti, on a une westernized education. Tout préambule ça, this preamble that I did is to say that pour moi-même, Sixto représentait un Haïtien qui fait balance parfaite de dimension africaine qui chita, qui dépose dans la masse peuple haïtien avec dimension occidentale qui historiquement chita dans l'élite là. Gagné Sixto Seneg, il était gagné en pile correspondance, il était correspondant en pile avec monde. Et comme il était aveugle, il pas qu'a écrit, Sixto fait correspondance sous cassette. Il était un grand écrivain haïtien, Mona Guérin, qui était bon ami moi, le jeune petit garçon, était qu'on a là qu'il tout le temps. Mona Guérin était gagné en correspondance avec Sixto. Et un paquet de cassettes, Mona, te kon ban mwen yo pou mal tande. Sixto, nan conversation privée, li défini tête, li tan kon latinis. Sixto, c'est un homme qui était parfaitement intégré à la culture occidentale. Mais côté parfaitement intégré à la culture occidentale, là, il était parfaitement intégré à la culture authentique afro-haïtienne. Donc là, kounyan, est-ce que ça veut dire que Sixto, c'est un exemple de haïtien authentique tout bon qui vraiment réussit fait mariage aspect majoritaire africain de culture nous avec aspect minoritaire occidental de culture nous m'pa connais mais cependant monsieur t'es réussi fait mariage ça m'pa connais soit côté mais avant non frère non oui oui tout à fait d'ailleurs mais on met dim sous pas d'accord parce que oh, non, non, d'accord c'est des interrogations m'a posé parce que le matin des bagages monsieur c'est, monsieur gain des bagages li dit dans conversation privée ou t'a demandé mais est-ce que c'est même six toi m'a attendé bah sérieux m'a beau là côté cougnan là si monsieur non salon des mon a parlé français etc monsieur c'est li pi à l'aise dans mitan. Et pourtant, nous connaissons, monsieur, l'élamite en peuple là. En fait, Sixto est très fond dans vaudou. Fouen, est-ce qu'on connaît que Sixto est un gant? Oh, non, pas qu'on était un même qu'on madame était un gant. Monsieur était un gant. Monsieur était un gant, monsieur était prend à son. Hein? What I'm saying here, you understand, guys? Sixto was a vaudou priest. And when he left Africa in 69, l'œil quitte l'Afrique. Li passe Martinique, li font titan Martinique avant la aux États-Unis. Mais met Fouenan, ambassadeur Gérard Coradin qui était professeur avec dans l'Afrique dit moi, li ta avec li dans Martinique là. Pendant temps monsieur était Martinique là, c'est comme vaudou de vivre et c'est comme prêtre vaudou de vivre. A fait consultation, ba mon traitement tout bagage. Oh, pas qu'on est. Ça, ou après moi, un gros bagarre là sur Sixto. Ça me détaille ça. Il va écrire aucun côté. Non. Donc, vous comprenez, ou même au plus grand passé. Donc, bien content, mon chef d'invité, parce que. Mais ça qui passe, son bonne cassette famille en bas, moi, madame Sixto, madame Torchon. Comprenez? Et j'ai tweet ces jours. Parce que je me dis qu'on travaille, je me fais sur Sixto. Vous comprenez? Et donc, il y a mon paquet. Archive. Document privé, archive, famille de Sixto. Document ça au prix et ces deux informations prix. Bon conversation en temps de Sixto là, avec des groupes amis là et puis et mon bon monde qui a rapporté bon monde qui dit que comme si
Sixto a parlé bourgeois mal parce que, comme si Sixto c'est bien avec Pep, on pense que Grillier, puis Sixto a dit je proteste. Tendez-lui, qu'on a dit je proteste. Et puis il a expliqué que lui-même n'est pas bien avec ça, je veux dire. Ah! Bon, moi-même, je veux dire là, avec conscience, je prends mes Sixto. Pour son nom, je me viens avec Pep, je merci. And I mean it. Vous comprenez, non? Donc, oui, oui. These are complexities of human beings. Oui. Parce que, comme je dis là, pas retirer un rien dans le mérite Sixto. Pas retirer un rien dans l'authenticité travail que le faire. Mais le gaspère ça là, Kali, parce que quand même, il était dans une société qui a des mécanismes là-dedans, qui des fois crée ambivalence comme on. Oui, ça c'est bon. Mais majorité écrivain haïtien, écrivain nous, c'est nous qui comparons avec Sixto dans ce sens-là. L'on appelle le texte n'importe qui grand auteur, que ce soit même ça que tu es pi grand défenseur culture haïtienne, que ce soit Jean-Price Mars, Jacques Roumain, ça qui était plus dans l'école indigène, mais ou bien auteur, il faut toujours différencier auteur avec individu, et c'est deux entités, deux instances. You're right. Donc, il faut montrer, prendre pile précaution, l'on a jugé, bagaille, ça, il faut qu'on ait ça, ta individu, ça, moun, on a fait, et que moun compliqué, moun complexe. Sinon, on va marcher goumé à moun, vous comprenez? Oui, bien sûr, c'est ça. Bon, ma gade là, nous paraît en pile temps, moi, ma profité de l'occasion, une autre fois encore, pour me remercier Dr. Komo pour la présentation, ça, et étudiant, yo, pas parler en pile. Mais m'a regardé de temps en temps là, m'a regardé, yo comprendre en pile. Oui, yo apprend en pile, je dis. Yeah. Non mais c'est ça moi maintenant zoom moi and with the 3D power of the zoom camera, hein, it's almost a classroom où regarder visage, l'homme pour son petit anglais, hein, c'est l'homme senti peut-être gon baï moi dit pas comprendre et moi même moi m'a fait comme voulait étudier comprendre, faut comprendre. Faut comprendre ça comme dit, donc pour pas comprendre, c'est faute mais faut me dire encore l'autre gens pour comprendre. Donc m'a dit merci en pile pour ça et donc nous merci de chrétien pas connait si professeur Nicolas André responsable programme là voulait dire deux mots après ça pour le cas passer comme bail l'INSEE. Bon et je pense que c'est un plaisir pour nous te gagner et docteur Komo avec nous, merci un peu Ludovic. Et nous connaît pour nous démarrer, pour nous faire venir faire ti causerie ça avec nous et tu gagne ti difficulté dans façon nous te commencer li même bien content ou là. Et moi apprendre un peu bagay parce que moi même te grandi à côté et Saint-Anis surtout. Parce que et famille parents moi pas t'a quitté me temps de quelque l'autre et texte moi Sixto l'aime te petit c'est et puis comme t'es venu habitué tant de Saint-Anis tout temps et puis t'es venu grandir tout venu tendre en pilote pièce Maurice Sixto ça fait me plaisir donc moi souhaiter étudiant yo joindre Kishoy dans bagaille là et comme on promet toi partager et présentation moi avec yo, je pense que ça qu'a parlé de yo avec non et titre et en pièce Moïse Sixto yo capable de chercher yo et puis côté yo tout. Yeah, l'INSEE gain présentation. OK. So, l'INSEE will share it with us. Yeah, sure. And thank you everybody. L'INSEE, I sent you my presentation and yes, suddenly please share it with the students. Okay. Good. Fantastic. So I have the PowerPoint presentation. I'll send that to Fernand and Nick to share with the students. On behalf of the FIU Haitian Summer Institute, thank you so much for your presentation. Thanks to the students and the instructors. 4 more days. You guys are in the home stretch. We really appreciate all of the work that's gone into this. As always, this lecture and the lecture series is brought to you by LACS Department of Education Title VI grant and with the support from that grant. And we have our final lecture series this Wednesday. So thank you to everyone and have a wonderful afternoon. And thank you also for having me. And thank you for the colleagues, my
friend Frenan, Professor André, whom I met for the first time, I think. Right? And particularly the students who having been such good sport, you know, and listening and clearly paying attention and not giving me any look that, you know, you are boring. What the hell is he telling me here? You know, thank you for that. It would be depressing if you didn't pay attention. Thank you. Yeah, take care. Merci. Yes, merci, Ampil. Yeah, merci, Ampil. Okay. Merci, Ampil.